Ça dure pour toujours, c'est-à-dire c'est en accord avec le niveau brahmi dans votre vie pratique. Pensée, parole et action, relation, connexion et samyas. Non seulement la moindre trace d'être un shudra devrait être notamment. La moindre trace d'être un shudra devrait être visible dans vos pensées ou vos paroles. On vous a déjà dit que les pensées, paroles et sanskars et nature des brahmins sont plus là. Avez-vous un niveau qui dure pour toujours? Amine, chacune de vos actions et chacune de vos pensées doivent être similaires au Père Brahma. Le Père, tel est le Père, ainsi sont. Les enfants ont la même nature, sanskar et pensée du Père, n'est-ce pas? Le Père, suivre le Père ne signifie pas simplement devenir un serviteur divin, mais suivre le Père signifie suivre à chaque pas et dans chaque pensée. Suivez-vous le Père de cette manière, comme le Père, sanskar, nature divine, une attitude divine, une vision spirituelle, de la même façon qu'il y ait une telle attitude, vision, nature, sanskar, culture, sa vision, sanskar, attitude, son semblable. Votre visage est-il rendu tel un caractère divin, le visage à travers les vertus? Les vertus et le type d'activité du Père sont révélés. Le visage à travers les vertus et le type d'activité du Père sont révélés comme étant ceux qui suivent le Père. Comme vous chantez la louange du Père ou parlez de ses activités, vous êtes-vous aussi imprégné de toutes ces vertus en vous-même? On dit que ceux qui suivent le Père, leur visage sera visible à travers leur visage, sera visible, sera visible les vertus, les types d'activités. अपने हर कर्म को चरित्र समान बनाया है। हर Vous कर्म fait tel que vous fait, avez-vous rendu chacune de vos actions telle une activité divine? Accomplissez-vous chaque action tout en étant dans le souvenir, les actions qui sont accomplies dans le souvenir, immémorial, immémorial. Ensuite.